Bonjour à toutes et à tous. Dans cette troisième pratique, nous avons mis le transistor T0 PN2222A se comporte comme un interrupteur commandé par le signal appliqué à l'entrée, c'est-à-dire sur la base du même transistor. Sur le même transistor, nous avons mis une résistance de 330 ohms branchée en série avec la LED afin de limiter l'intensité de collecteur et celle de la LED également à l'emplacement de mon crayon noir. Concernant la résistance de base de 15 kΩ branchée en série, que si vous mettez deux résistances une de 10 kΩ et l'autre de 5 kΩ que je vous montre à l'emplacement de mon crayon noir. Cette dernière permet de limiter le courant de base à 0 mA 25 afin de ne pas surchauffer le transistor de commutation. Pour trouver le bêta, c'est-à-dire le gain du transistor entre le collecteur et la base, il suffit de diviser le courant de collecteur par celle de la base, à savoir 15 mA divisé par 0 mA 25, ce qui correspond à un gain de 60. Pour démontrer le courant de collecteur à partir du courant de base, il suffit de multiplier le courant de base par le bêta du transistor, c'est-à-dire 0 mA25 multiplié par le gain, afin de trouver l'intensité du collecteur, ce qui donne à un résultat de 0 mA25 multiplié par 60 correspondant à 15 mA sur le collecteur de ce même transistor. Maintenant, nous allons examiner un circuit NOR. Avec l'exercice suivant, vous pourrez vérifier le fonctionnement d'un circuit NOR et en établir la table de fonctionnement ainsi que la table de vérité. Pour cela, vous utiliserez le circuit intégré MM74C02 dont le schéma électrique est représenté. Comme vous pouvez le voir, ce circuit intégré comprend 4 circuits NOR. L'expérience concerne l'examen du premier circuit NOR, dont les entrées sont reliées aux broches 1 et 2, et la sortie à la broche 3.
Les trois autres circuits nord, contenus dans le circuit intégré, présentent les mêmes caractéristiques de fonctionnement comme vous pourrez le vérifier vous-même, si vous le désirez, en répétant les mêmes essais. Pour faire cette expérience, conformez-vous aux instructions concernant le schéma électrique. Avec cet essai, vous avez constaté que dans un circuit nord, lorsque les deux entrées A et B sont au niveau bas, c'est-à-dire à l'état L, la sortie S se trouve à un niveau As, c'est-à-dire à l'état O. L'entrée A du circuit nord est ainsi porté au niveau L. En observant la LED L0, vous constatez qu'elle est allumée, ce qui indique que la sortie S du circuit nord est au niveau A, c'est-à-dire à l'état O. Vous pouvez donc dresser une table à deux colonnes. La première réservée au niveau des entrées A et B et l'autre relative au niveau de la sortie S. A, B, S. Sur cette table, à l'emplacement de mon crayon noir, vous pouvez reporter le résultat du premier essai et donc noter L pour l'entrée A, c'est-à-dire à l'état bas. Pour l'entrée B, c'est-à-dire à l'état L ou bas, concernant la sortie S, se trouve bien au niveau O. Ainsi, la première ligne de la table de fonctionnement du circuit nord est complétée. Vous pouvez donc reporter dans la deuxième ligne de la table de fonctionnement les notes suivantes. L pour entrée A et As pour l'entrée B. L pour la sortie S. De cette même table de fonctionnement. Dans ces conditions, l'entrée A a été portée au niveau L, tandis que l'entrée B a été ramenée au niveau As.
En observant la LED L0, vous constatez qu'elle est éteinte, ce qui indique que la sortie se trouve elle aussi au niveau L. En observant la LED L0, vous constatez qu'elle est toujours éteinte, signe évident que la sortie se trouve encore à l'état L. Sur la base de cet essai, vous pouvez remplir la troisième ligne de la table de fonctionnement en y indiquant que pour les niveaux AS et L concernant les entrées A et B, la sortie se trouve à l'état L. À partir de ce résultat, vous pouvez inscrire la dernière ligne de la table de fonctionnement du circuit Nord représentée sur le schéma électronique en mettant AS aux deux entrées A et B et la sortie à l'état L. Donc là, j'y suis. Vous pouvez passer de la table de fonctionnement à la table de vérité en remplaçant la lettre L par le symbole binaire 0. Et la lettre AS par le symbole 1, selon la convention logique positive, vous obtiendrez ainsi la table reportée sur le schéma. Zéro zéro un en sortie, la LED allumée. D'après la table de fonctionnement de ce même schéma, nous pouvons déduire que la sortie d'un circuit Nord est à l'état bas lorsqu'au moins une de ses entrées est à l'état haut. Tandis que la sortie se trouve à l'état AS, niveau haut, uniquement que lorsque ses entrées A et B sont à l'état L, niveau bas.
LED allumé. Examen d'un circuit OU. Le but de cette expérience est de constater qu'un circuit nord est équivalent à un circuit OU suivi d'un inverseur. Là, je vous ai tout mentionné. Pour cet exercice, vous utiliserez le circuit intégré MM74C02 contenant 4 circuits nord suivis d'un inverseur MM7404 contenant 6 dans le même boîtier afin d'obtenir un circuit OU comme vous pouvez le voir sur le schéma électrique. La sortie est reliée à l'entrée de l'inverseur et la sortie de l'inverseur est reliée à la base du transistor. À noter que vous pouvez mettre un circuit intégré MM74C32 contenant 4 portes OU, ce qui est équivalent aux 4 portes nord suivi d'un inverseur. Comme d'habitude, l'essai de fonctionnement sera réalisé sur le premier circuit nord, c'est-à-dire celui dont les entrées sont les broches 2 et 3. La sortie, la broche 1, branchée à l'entrée de l'inverseur. Broche 1 également. Nous pouvons constater que la sortie d'un circuit nord est à un niveau haut uniquement dans le cas où ces deux entrées sont chacune au niveau L. Niveau L, niveau bas, si une seule des deux entrées où les deux sont au niveau A, au niveau O, la sortie se trouve au niveau L. LED éteinte. Zéro, zéro.
0 en sortie. Nous pouvons constater que la sortie d'un circuit nord est à niveau haut uniquement dans le cas où ses deux entrées sont chacune au niveau L. Niveau bas. Si une des seules des deux entrées où les deux sont au niveau haut, la sortie se trouve au niveau L, bas. Je viens de répéter cette phrase. En comparant la table de vérité du circuit nord du schéma électrique avec celle du circuit OU, vous remarquerez que la première peut être tirée de la seconde par une simple inversion en remplaçant sac 0 par 1 et sac 1 par 1, 0 dans la colonne de sortie. Il convient à ce point de faire une remarque importante. Dans l'élaboration de la table de vérité, il a été fait référence jusqu'à présent à la convention logique positive, c'est-à-dire que la table de vérité a été tirée de celle de fonctionnement en associant la valeur logique 1 au niveau As et la valeur logique 0 au niveau L. Il est donc très important de vous rappeler ce qui suit. La table de fonctionnement d'un circuit intégré décrit le fonctionnement physique en termes de niveau de tension. La table de vérité décrit, en revanche, la fonction logique qu'il peut accomplir et qui peut être différente selon que la logique adoptée est positive ou négative. En inversant les 0 par 1 ou vice-versa 1 par 0. Après avoir terminé l'expérience, enlevez le circuit intégré MM74C02 du support et replacez-le dans la mousse graphitée. Pour finir cette leçon, nous allons parler de la fonction logique nord peut être résumée par l'équation booléenne S égale A bar ou B bar, suivant le nombre des entrées, comme indiqué sur le schéma. A bar ou B bar. Comme indiqué sur les schémas, tandis que le circuit OU, la fonction est S égale A ou B. En d'autres termes, S égale A ou B. Donc OU plus égale OU. On retrouve le signe plus symbolisant le produit OU,
et la barre indiquant la complémentation, c'est-à-dire l'inversion. S est égal A bar ou B bar. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt de vous revoir sur ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt. Juste un problème de contact. Je n'aime pas tellement de travailler sur la matrice parce que avec les points de touche ou les fils de contact peuvent créer un dysfonctionnement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Mettre les deux zéros, on se retrouve ici de toute façon, les deux zéros ici, on a donc les deux plus, excusez-moi, je me trompe, donc 1, 1, nous avons bien 1, la lettre s'allume. Et là nous avons donc 0, 1, la lettre s'allume. Nous mettons donc les deux zéros, donc A à 0, B à 0, S se trouve à 0, donc la LED est éteinte. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute, à bientôt. A égale 0, B est égal à 0, S est égal à 1, donc la LED est allumée pour un circuit ou pour une porte nord. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt. PS, dans la quatrième pratique, on entamera comme leçon les bascules. Les bascules D, formées par les trois portes NAND. On commencera par les portes NAND, d'où l'intérêt de bien connaître la table ou les tables de vérité. Bonne fin de soirée.